Mon rêve de petite fille, il est arrivé quand même assez tardivement. Je savais que j'avais envie d'en faire un jour mon métier. Comment, pour moi, c'était encore très abstrait. Et puis après, d'entendre régulièrement la direction d'orchestre, c'est pas fait pour les femmes. Pour moi, ça paraissait aussi surréaliste qu'un jour de devenir cosmonaute ou président de la République. Au début, quand j'ai commencé à diriger, il y a eu une sorte de front d'une partie des garçons de l'orchestre qui disaient « Moi, je veux pas être dirigé par une femme ». J'ai entendu de la part de certaines institutions « On n'est pas prêt à accueillir les femmes à la tête des orchestres nationaux ». Et moi, je me suis toujours dit que je voulais pas que ce soit les autres qui décident pour moi. C'est pour ça que j'ai décidé à un moment de créer l'Orchestre Symphonique Divertimento. Et c'est quand même le premier message que je veux faire passer, c'est surtout de ne rien s'interdire, que tout est possible, et de continuer à croire en ses rêves.